Hello， 我们现在呢是在法国最出名的葡萄酒产区，也就是波尔多大区，同时呢是在波尔多大区里面最负盛名的产区圣德米隆，也就是叫圣艾米农产区。那这个里面呢是波尔多之中非常出名的产区之一了。今天我们非常有幸能够看到它葡萄采摘的整个场景，所以今天我们要学的词就是万。万就是酒，葡萄酒的意思。我们经常说葡萄和葡萄酒是什么关系呢？我们自己平常吃到的葡萄大家知道都是很大很大颗的，但其实如果我们到了法国的葡萄园里看到，原来葡萄其实是非常小的，就像这样子，特别是在波尔多它很出名的就是这种葡萄种类，小小颗的以这个赤霞珠为主，基本上都是这种小小颗的葡萄，它的这个颗粒很小，然后颜色是这种紫黑色，然后上面呢会布着这样的白白的霜。今天的话就是会去给它们进行一个采摘，但是采摘的时间甚至精确到哪一天，甚至精确到什么时候，都是根据我们的葡萄的种植人或者说酿酒师根据经验来判定的。所以说采摘葡萄也是一个考验这个酿酒师经验的一门技术。今天呢的采摘是全部的手工制作，我们到时候呢会看一下整个采摘的过程，非常的有趣，也许跟我想象里的不一样。Je possède exactement 1 hectare 10, donc il y a seulement 6000 pieds. Sur chaque pied, il y a à peu près entre 4 et 8 grammes de raisin. On dit que un pied correspond à une bouteille. Ah bon? Voilà. Un pied correspond. Alors, on pourrait imaginer qu'on a 6000 bouteilles, d'accord? D'accord, ok. Mais comme je veux tirer le maximum d'énergie au mois de juillet-août, je retire des grappes. Donc, j'élimine des grappes. Pourquoi? On appelle ça les vendanges au vert. Ok. Pour que restent les meilleures grappes. D'accord. Et ce qui fait que sur 6000 bouteilles potentielles, je vais en faire que finalement 5000, voire moins. Wow. Mais ce sont vraiment la quintessence, je dirais, de la meilleure exploitation, de façon à faire le meilleur vin possible. Alors, il y a 3 cépages. Je dirais à 80%, c'est du Merlot. Donc, c'est ce cépage qui va donner la rondeur au vin, qui va donner son, je dirais, sa couleur également. Et il y a également un cépage qui s'appelle le Cabernet Franc, qui est difficile, d'ailleurs qui est difficile à manager. Je possède 20% de Cabernet Franc et je possède 5% de Cabernet Sauvignon. Mais ce qu'il faut dire, c'est que dans le Saint-Emilionnais, à Saint-Emilion, c'est ça la proportion. Je trouve qu'on peut facilement comparer la culture de la vigne, la culture, je dirais, d'une équipe de football. Parce que j'ai envie de comparer un pied de vigne à un jour de football. C'est-à-dire que chaque pied est différent. Il y a des vieux pieds, il y a des jeunes pieds, il y a des pieds qui portent des cépages différents. Et l'objectif, c'est de tenir compte de la spécificité de chaque pied. Et chaque pied représente un ensemble de pieds, donc l'hectare de vigne que je possède, un peu à l'image de ce groupe de footballeurs que je peux manager. Et l'objectif, c'est de le rendre cohérent, de le rendre harmonieux et surtout productif, puisque c'est qu'à la fin je puisse récupérer le meilleur raisin possible pour faire le meilleur vin possible. D'accord. Et donc moi, en tant qu'entraîneur de football, aujourd'hui je suis confronté à gérer cette passion. Et donc je me trouve très près du métier que je suis, c'est-à-dire le métier d'entraîneur. 那现在大家看到的呢，就是我们采摘葡萄的第二步。
那到这里的话呢，工人们呢会手工的从这些葡萄里面挑出来合格的葡萄，也就是完整的不带渣子的这样子的葡萄才可以进入到搅拌机里。那有一些不好的葡萄，比如说已经破损了，或者说已经干瘪了，或者是带了一些其他的不应该进来的茎啊，或者其他部分的话，会被手工的摘取。也就是说这一部分的工作是非常的精细的，需要马上判断出来哪些葡萄是可以用，哪些葡萄不可以用。那我们记得以前看很多法国的酿酒的电影啊，会有庆祝葡萄丰收和采摘之后进行葡萄的这个压榨和搅拌呢，是有很多的人光着脚踩到那个木桶里，然后来一起跳舞把葡萄给踩扁。现在应该是不需要这种工序了，现在进到这个机器的第三步就可以直接给它进行葡萄的搅拌和压榨。那像这一道工序呢，在很多特别是新世界的酒庄里呢，它是用机器来代替的，也就是说会由机器来选择合适的葡萄。但是在我们看在圣埃米隆的酒庄里还是保持着这种全手工操作的步骤，所以每一粒葡萄都是经过了人工的挑选才能成为酿造法国波尔多葡萄酒的葡萄。 OK， 那我们现在呢就在这个红酒的酒窖里，也就是它的酿制间，这里面呢是恒温恒湿的，一般呢会在地下，那我们现在这个是平层，也就是说它的整个保护措施要做到全年的恒温恒湿。现在我们看到的呢是法国的专门的一个特色，就是用橡木桶来酿酒，这些呢都是橡木桶，它的酒红酒在前面做成酒汁提萃它的酒汁之后呢，会把这个酒汁放在这个橡木桶里进行这个重复酿造，一般的时间是会12个月到18个月左右，也就是1年到1年半的这个橡木桶里面的重复酿制。而且这种桶一定是要用法国的橡木来做，通过他们多少年的多少代的这种经验来看呢，只有这样酿出来的红酒才会有一种橡木口味的回甘，是在波尔多红酒里面非常重要的一个特色。当我们如果喝一个法国红酒，它除了有它独特的这个配置出来的水果味，比如说它有红果的味道，有樱桃覆盆子的味道之外，如果它还有橡木的回甘，那说明这个酒是一个很有波尔多特色的酒。那这些酒在橡木里面慢慢的就像沉睡一样再次酿造，因为橡木呢它并不是一个完全封闭的材料，它是木头之间它是有纤维是有空隙的，所以说它是能够保证一定量进入一定量的氧气，所以能够让储存在其中的红酒能够继续的酿制，而且跟橡木法国橡木中的物质进行化学作用，进行一系列的综合的作用，才能产生一种特别的口味。这个就是法国波尔多红酒的一个秘密所在。Vin, vin, 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 vin. Ce moment. Ça c'est sur le Bénin, donc c'est le raisin des meilleurs. Alors bien sûr, on est loin du vin. Hein.Là, c'est du jus de raisin, au sens du fruit. 如果想说一口性感的法语，如果想到法国浪漫一游，那就赶紧扫描屏幕上的二维码，此刻在这里等你哦。